résidence Galatea. Les conforts, tout à zénith. Voilà l'hôtel Residencia Galatea. Là, on peut venir en famille. Tu as ton petit salon, un très beau salon, ta télévision, wifi assuré, salle à manger à côté, ta cuisine à côté, ta chambre à côté, les installations sanitaires, rien à dire, très propre. Un petit tour à Bruxelles, pense là où tu peux rester, à des prix imbattables. Et si je vous dis les prix, par exemple, que 50, commençons par là. Tu peux te rendre compte que tu as une chambre, un salon, la cuisine, les installations sanitaires, l'internet, tu as tes marmites, tu as tes casseroles, tu as tes assiettes, tu peux faire ta cuisine. À 50 euros seulement, tu te rends compte. Il y a ta voiture, tu quittes ton pays avec ta voiture, ta ville avec ta voiture. Dans ton GPS, juste vas-y. 1080, Moulinbec, boulevard du Jubilé, numéro 32. Et vite fait, tu es devant chez nous. Hôtel et résidence Galatea. Et ça aussi, quand tu as un métro, il y a beaucoup. Tram et les gars, on a des gens. Où tu n'as gare du midi, où tu partout, où tu n'as gare comme une gare du midi, au juin malamoro tram 51, Tiliboso Hôtel. Pour tout contact, 0032 475 37 67 10. Je dirai un mot pour les Chinois. Kinsin ton chinka ton chien. Ta un cité qui un chien. Kalantin. Si un don chien contient comme bon ten chien. Chia! 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 Pongia bien! Pongia canon! Pongia bien! Et tiens, Akiud! Ogoya poto! Hôtel Résidence Galatea, c'est Lola. D'arriver, ils sont où, messieurs? Mais moi, je vais pas là. Quoi? J'ai des soucis. Ok, j'étais avec les deux et dans mon cousin. Déjà, vous voulez que tu en fasses de moi? Raconte, c'était comment? Je savais qu'on allait tout exactement. Pourquoi? C'est normal. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait de mal? C'est normal, je suis votre ami, c'est tout à fait normal. Mais toi, raconte-moi, c'était comment je vais savoir. Ma vie qui est autour d'aller du la tienne à mes couilles. Mais en fait, tu déjà. Vu que je vais commencer à t'expliquer, va me dire. Franchement, de toute façon, Blacky me déçoit. Je suis au boulot, je suis fatiguée. C'était la semaine passée, on avait fermé le restaurant. On a trouvé Blacky avec une vieille dame. Je lui dis. La dame n'est pas avoir la même âge que la maman du Blacky. Je n'arrive même pas à manger. C'est sûr que c'est sa vie de tout le jour. Comme ses parents ne sont pas ici, ce soit disant le plus marché. Il sait qu'il fait, il sort avec du vieil dame. Je suis fatiguée, franchement. Mon Blacky doit choisir entre moi ou bien cette vieille dame. Mais tu m'étonnes. Tu ne peux pas rester là figé. À penser à une personne qui est infidèle envers toi.
Moi, je ne suis pas là pour tourner en rond. Je veux que tu saches aujourd'hui, parce que je te parle, c'est comme si tu ne comprends pas la langue que je te parle. Tu veux que je te parle dans tes langues que tu veux. Ok, calme. Comprends-moi. Je me dis que ça va vraiment s'ouvrir. Mourir avec moi, tu n'as pas de calme. Je vais te considérer. Comment tu peux dire des choses? Je vais te respecter. Attends, comment est-ce que tu peux te respecter? Comment tu peux avoir cette place? Tu sais, je suis une lesbienne. Je ne t'ai pas dit. Ça ne me dérange pas. Mais tu veux toi? Tu es une femme. Et moi, je suis une femme. Et comment? On ne le dit plus jamais. Lève dans tes rêves. Comment? Ne m'arrête pas tant qu'il n'y a aucune femme. Moi, je perds. Aujourd'hui, c'est ton 40e jour. Voilà pourquoi nous sommes venus, ma petite sœur et moi, te rendre visite. Comme d'habitude, pour te dire que nous ne pouvons jamais t'oublier. Tu es près de nous, dans nos cœurs. Tu es là, maman. Laisse-moi te dire que tu nous manques beaucoup, vraiment. Maman. Je n'arrive pas à y croire qu'aujourd'hui tu es loin de nous. Je n'arrive pas à supporter que je ne peux plus te serrer dans mes bras. Mais maman, laisse-moi te dire que moi et ma soeur, on te porte dans nos cœurs. On ne t'oublierait jamais, maman. Jamais, maman. Jamais. Pour nous, tu as toujours des valeurs. Quand bien même tu n'es plus là, tu as toujours des valeurs pour moi. Ta famille, tout le monde t'a rejeté quand tu étais en vie, maman. Maman, tu manquais de soins. Qu'est-ce que c'est, maman?
tu as toujours des valeurs. Quand bien même tu n'es plus en vie. Tu n'avais pas des valeurs quand tu étais vivant aux yeux de tous. Vraiment, quand tu étais vivant, maman, tu n'avais pas des valeurs. Voilà maintenant, ta propre sœur jumelle a accepté de dépenser beaucoup d'argent pour t'acheter une belle somme. Il a fallu qu'elle le fasse quand tu étais vivante. On avait besoin de soutien, maman. Elle a préféré de le faire quand tu es partie. Maman, je me manque vraiment beaucoup, maman. Maman, nous manquons même de t'acheter un bouquet de fleurs. Même pas 1000 francs pour en avoir. Mais notre présence compte beaucoup pour toi, maman, je l'espère. Un enfant va bien dans sa vie, qui tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté de son lit, qui regarde passer les trains dans la nuit. Non, je veux pas me mélanger sur mon bouton. Comment est-ce que tu manges? Papa qui dit viande. Tu vois pas que tu grossis? Au quoi nous sommes forts? C'est ton problème. On s'en sent forts. Nicolo, pas jeune, bon, il y a qu'à vous battre. Donc, non, mon tout, mon néné. Nous sommes mes nénés, pas et tout, franchement. C'est déjà quand? L'heure de plus, c'est samedi, c'est samedi. Lui, t'es une amie. Je
Non, moi je connais déjà les nuits exactement de vie. Quoi? Elle vit de m'appeler, elle va la pressing, oh, pour parler de la pressing. Oui. Attends. Ouais. Et puis costume, chemise, cravate, c'est ça. Et puis attends, moi j'ai un cadeau à te donner. Comme quoi? Tu sais très bien que moi je suis mon gars là, non? Alors là, je ne sais pas. Et puis maman a voulu être malade. Ça y est déjà. Des sachets de Ndaka là. Oh, direct ça. Arrête ça, non. Pas ça, pas ça. J'ai un joli cadeau pour toi, tu sais. Comme quoi? Une belle créative. Regarde-moi ça. Toujours les filles, toujours les filles. Arrête, c'est ce qui est spécial. Non, arrête avec ça. Tu parles de belle créative. Ta mère fait la face de toi, tu l'appelles maintenant. Ouais, je l'avais pas vu, Tania. Je l'avais vu, je compte déjà aller la parler. Je mérite qu'on fasse des choses. Mais pourquoi? Ok, attendez-moi d'aller. C'est là. Mais bon, tu oublies. C'est toujours pour les filles. On va faire la main pour l'autre, il y en a qui se l'autre. Il y a un moment, il va venir, c'est ma femme. Pour l'autre, c'est ma femme. Pourquoi ça bouge? Tania. Quoi? Ça va? Ça va très bien. Ben, j'étais cherché pour m'expliquer l'autre fois ce qui était passé là, entre les hommes et moi. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas besoin de tes explications. J'avais tout compris. Bon. Oui. Je parle de ta vieille dame, ta soi-disant maman. Tu l'as embrassée à la bouche devant mes propres yeux, devant mes amis. Sois calme, mais c'est quoi ça? Je t'ai pas appelé pour ça. Oui, c'est une ATGC. N'a bien vu s'excuser. Arrête ça. Je n'ai pas besoin de tes explications. Laisse-moi tranquille. Bref, si tu veux dire quoi, Naoto Naoras? Si je vais dire quoi? Oui. Je veux que moi et toi, t'as plus arrêté. Je ne veux plus continuer à vivre avec toi. Parce que tu m'as humilié devant mes amis. Ah bon? Ah bon? Tu as bien compris ce que je t'ai dit. Le boy a blagué. Tu es qui, toi? Hé, tu me demandes si je suis qui? Tu me regardes bien. Regarde-moi bien. Tu penses que tu sors avec de vieilles dames que j'aurais peur de toi? Blagué. Maman, écoute. La bonde l'a même pas bâti et on a la dent. La tape la poste bonde de la ratée. Et ne crie pas sur moi. La tape la poste bonde la ratée. Bon, la bonde de l'eau même. Mon yo bonde la ratée. Non, la Lugina est stichée, c'est tout. Et c'est la seule fois où je le monde, on te va bonde la moitié. Ah bon? Attention avec moi, yo bonde la blague. Attention ou quoi? Sauf qu'elle a ma camarade. Ah non, attention. Tu poses de ouvrir ta bouche. Tu vas m'énerver, arrête. Toi, je t'ai façonné, malade. Qu'est-ce que tu parlais? Pour bimala, ma maman bimé pour ça yo. Attends. T'es natuni yo. Attends d'abord. Ma maman zo bimala, bon baba H à maman yo. Et toi ça yo. Répète d'abord ce que tu viens de dire. Tu m'as façonné. Viens de dire que je t'ai façonné moi. Tu n'es même pas connu ta famille toi. Tu façonnes ta camarade toi façonné là. Yeah. T'es malade? Bah non, bah blouse, bah gilet, tout ça. Toi tu me parles de façonner. Toi tu m'as façonné. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-le, Comme maintenant, est-ce qu'on peut imaginer une salade depuis l'Obi déjà? Que l'y est-il? N'aimité, tout c'est la wap. Tout c'est la wap, et on nous a coupé cette vidéo pour venir. Je peux plus supporter, je peux plus. Non, Koukati. Si toi tu peux au moins aller demander là-bas le pain pour Nangana Liangai. Non, je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Je peux plus.
Je ne peux plus. Déjà. Écoute. On peut aller chez Mahdi encore. Si on touche à la porte, sa fille. Ta mère sera guérie. Au moins, tu vas gagner quelque chose. Tu vas gagner la vie de ta mère. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Non. Faites-moi comme une esclave, s'il vous plaît. Ok. Désolé, mademoiselle. Je crois. Vous nous amenez 2000 dollars que nous avons perdu. Si dans ce cas, vous nous avez, vous prenez votre maman et sortez de là. Ok. Mais puis j'ai juste parlé. Excuse-moi. J'ai résonné. Résonné? Et je vais t'avouer quelque chose, ma chérie. Je veux vraiment que tu essaies de me pardonner. C'est moi qui ai tué maman. Quoi? Oui, j'ai donné mon corps au docteur. Seulement que maman puisse se rétablir. Tu le sais que maman Bianca ne veut pas nous aider, non? Voilà pourquoi le docteur m'a proposé de sortir avec lui. Tellement qu'il intervienne à notre cas. Et je le fais parce que je n'avais pas le choix, tu le sais. Je suis en train de me condamner, ma chérie. Parce qu'il a fallu que je me confie à l'éternel, l'erreur que je fais. J'ai mis ma confiance aux hommes. Voilà pourquoi ce docteur m'a menti. Le docteur a profité de moi. Il a profité de mon corps. Crois-moi, ma chérie. C'est le docteur qui m'a demandé de lui donner mon corps. Seulement qu'il puisse nous aider. Et tu le sais que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas vraiment le choix. Dommage que ça n'a pas marché, ma chérie. Je me condamne. Excuse-moi. Est-ce qu'il a fait? Oui, je le fais. Tu as donné ton corps pour... pour la guérison de maman. J'ai donné mon corps chez les docteurs pour la guérison de maman. Et ça, tu vois comment le monde me cherche. Tu vois comment le monde est très, très, très méchant. Je vais te dire une chose. Moi, je décide ma vie autrement. Et ma vie autrement, comment? Comment tu vas continuer à t'aller là? Pourquoi on doit aller là qui t'entend? Et fin de compte, maman n'est plus en vie. Fin des comptes, tu as besoin de toi-même. Et nous sommes autres, ça les lègues. Après, c'est mon Congo. Les docteurs nous ont abandonné. Ton espoir, tout. Et ça ne sert à rien du tout. Je suis la maîtresse de ma vie pour le moment. Je sais de quoi je vais faire de ma vie. Qui est Kota, qui soda, Nada Ndumba, Nada Nani, Nada Jégué. Non, ça dépend de moi. Non, écoute, je ne veux pas que tu commettes la même bêtise que moi j'ai commise. Je suis ta grande sœur. Je te promets que je vais tout faire pour que tu sois heureuse. S'il faut même que je puisse mendier, rien que pour te chercher à manger, écoute, je le ferai. Écoute, s'il te plaît, je veux que tu restes. Au garage, moi, je vais aller vendre de l'eau. Écoute. Je vais me sacrifier pour toi. Écoute-moi.
trop, c'est trop. Tu vois ça? Ces maudites larmes, plus jamais. Je veux plus pleurer. S'il faut que je puisse continuer ce genre de vie, je préfère de mourir. Je vais faire ma vie autrement. S'il te plaît. Oh le banana. Écoute. Et bien. Non, ma petite. S'il te plaît. Béja. S'il te plaît, je ne veux pas. Plus. Je ne veux pas me séparer de toi. S'il te plaît. Bon, sois le bienvenu. Merci, maman. Merci. Dans notre palais. Ah. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est toi qui as l'honneur. Ah, bon, bébé. Soyez à l'aise, monsieur. Maman, nous sommes très à l'aise. En fait, comme chez vous, quoi. Merci. Donc, moi, aimons les plus contents, c'est tout. Comme ça, qui peut faire ça? Notre génie. Il parle bien français. Oh, tu as perdu ce temps de tuer, toi. Mais en fait, s'il te plaît, la monde des circonstances. Premièrement, je dirais merci beaucoup d'être là, vous tous. Merci. Merci. Je suis très fier de vous. En tout cas, vous êtes magnifique. Bien habillé. Mais maman, le mode des circonstances est beaucoup plus basé sur vous, maman. Ah oui, tu as raison. Si, tu as raison. Maman, merci beaucoup de nous avoir donné un bel homme de la vie. Depuis que tu as oublié. Il a totalisé 14 ans.
Merci. Merci maman, je suis très fier de vous. Nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes très fiers de vous. On va bien chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pépito, joyeux anniversaire. Ça ici. Voilà. Ouais, tu vas faire tomber. Ne soyez pas ivre. Hein. Ta mère court. Ah ouais. Si, c'est que peut-être vous allez oublier. Un peu de champagne là. Non, mélange pas le champagne avec ça. Oh, je dois d'abord terminer ça. Non, je veux rater. Mais pour moi. Priorité à Pépito. Oh, je vais boire le champagne. Ah, oh, maman, attends. On va renverser. Ah, ok. Merci, maman. Écoutez. Écoutez, je vais dire une chose qui est, s'il vous plaît, un peu tolérante. Je vais vous présenter la personne qui est chère de moi. Par là, je vais dire, je vais vous présenter ma maman chérie. Elle, c'est ma maman biologique. J'allais aussi oublier, elle, Alka, c'est ma petite soeur, c'est notre cadette. Wow. Moi, je suis le nez. Wow. Moi, avec ma mère, on a des enfants. On est très joyeux d'être chez moi. Que la fête commence. Qu'est-ce que je vois ici? Attends, le restaurant, c'était pas la maman qui m'avait dit que non, la maman des Blackies. Justement, c'était qui? Justement, comment? Comment ça? À combien maman petit? Si je comprends bien, Black sort avec la maman de petit. Mais moi, je dis comment?
Oh là là. Je crois aux alouroula ou à la zokanisa, si je ne me trompe pas. Mais normalement, yo, avec toi, c'est combien? Hein? Hein? Yo, la peso combien? Souvent, la télé m'a place, voilà, je ne sais pas ce que vous allez là. Oui. Ah, ok, en tout cas, j'ai de la chance aujourd'hui parce que je crois que la vie, oh, bien. Hein? Dis-moi, n'a bon bélo combien? Tu as peur? Non. Non, faut pas avoir peur. Je suis un tonton très gentil, moi. Je suis très gentil. On m'appelle Docteur Oscar. Et je crois la routine en que tu s'es déstressé dans la boîte, la bobine, l'examen R, et puis voilà. Et maintenant, il fallait soirée possible à bien. Il faut, moi, si y'a plutôt que me mener. Voilà, je me suis dit, en tout cas, soirée n'a que si la bien sûr que réellement ça on a localisé. Hein? Vas-y, sois cool quoi, dis-moi. Je réserve combien pour toi? 3 000 francs. Pardon? 3 000 francs congolais. 3 000 francs congolais. Oh, s'il te plaît. N'importe quoi. Oh mais non, c'est pas possible. Que je réserve 3000 francs pour toi. Hein? Eh bien là, tu rentres demain matin alors. Demain matin? Je te donne plus que ça. Je veux même triple, quadruple, je sais pas. Tu auras même plus que ça, donc il suffit qu'à tu sois d'accord avec moi. C'est pas moi. On t'appelle comment? Léon. Léonie. Ou Léon. Non, c'est pas possible. Vous avez dit Tonton Oscar? Ouais, c'est Docteur. Non, c'est mieux que tu m'appelles Docteur Oscar. Pas Tonton, hein, parce qu'il y a plusieurs Tontons. Mais en général, je suis un bon Tonton. Mais on m'appelle Docteur Oscar, tu comprends? Donc là, tu vas aimer. Tu vas aimer ton repas. Je vais te donner de l'argent. Mais c'est pour une première fois. Souvent, je passe là, je vois tes amis, tes collègues, s'il faut les dire. Mais toi, c'est pour une première fois, là, mon ayo. Yo ça raconte mon souci, le lo bandia. Ça raconte mon souci. Vas-y. Oh là là, ça va. Oh là. Bon, écoute, je te donne 100 dollars. Je te donne 100 dollars. Voilà. Ok? Non, ça plaît, hein. Relax-toi. Hein? Ok? Ah, voilà. En tout cas, non, c'est pas. Non, je te donne 100 dollars. Surtout de ce côté-là, tu es de Roche, mais. C'est Léonie, hein? Léon. Aoula Lyon. Franchement, tu es particulière. Voilà. Oui, Léonie. Oui, Léonie. Vous avez dit qu'on va passer la nuit. Tu rentres demain matin, il y a un problème. Je te donne plus que ça. Hein, il fait déjà tard, tu vois, malgré la circulation, parce que RDC Uto gagné coupe et tout, il y a la circulation. Mais on ne peut pas s'afficher. Il faut jouir que ça fasse et tout. Non. Hein? Ah, et là, son Toto Star, il est très gentil. Hein? Léonie, Paola Léon. Hôtel Résidence Galatea. Les conforts, tout azimut. Voilà l'hôtel Résidencia Galatea. Là, on peut venir en famille. Tiens, t'as ton petit salon, un très beau salon, ta télévision, wifi assuré, salle à manger à côté, ta cuisine à côté, ta chambre à côté, les installations sanitaires, rien à dire, très propre. Un petit tour à Bruxelles, pense là où tu peux rester, à des prix imbattables. Et si je vous dis les prix, par exemple, que
50. Commençons par là. Tu peux te rendre compte que tu as une chambre, un salon, la cuisine, les installations sanitaires, l'internet, tu as tes marmites, tu as tes casseroles, tu as tes assiettes, tu peux faire ta cuisine à 50 euros seulement, tu te rends compte. Il y a ta voiture, tu quittes ton pays avec ta voiture, ta ville avec ta voiture. Dans ton GPS, juste vas-y, 1080, Moulembec, boulevard du Jubilé, numéro 32. Et vite fait, tu es devant chez nous. Hôtel et résidence Galatea. Et ça, aussi, quand tu as métro, beaucoup. Tram et les gars, on a les bossons dans Moal. Au outil de la gare du midi, au outil partout, au outil de la gare du midi, au juin, à la moro 351, Tiliboso Hotel. Pour tout contact, 0032 475 37 67 10. Je dirais un mot pour les Chinois. Kinsin ton chien, ton chien, ton chien, ton chien, calantin. Si un ton chien coûte un compon, t'es un chien. Chia! 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 Pongia bien! Pongia canon! Pongia bien! Et tu n'as qu'il y a un poteau? Hôtel Résidence Galatea, c'est Lola.